Secteur très diversifié par excellence, avec 16 branches d'activité, 42 corps de métier et 206 métiers inventoriés, l'artisanat au Niger en général et dans la région de Zander en particulier est un secteur pourvoyeur d'emplois. Il occupe ainsi plus de 1 200 000 personnes dans le pays, avec près de 420 000 micro et petites entreprises de production de services ou arts recensés. Il constitue en effet un facteur très important de lutte contre la pauvreté et l'immigration. C'est pourquoi l'État du Niger, à l'instar de beaucoup de pays africains, s'est engagé dans la voie de valorisation des compétences dans le domaine de l'artisanat par la validation des acquis de l'expérience. Cette 29e édition a pour thème la validation des acquis par expérience, un concept adapté à l'artisanat et un outil indispensable au développement du secteur. Le choix de ce thème cadre parfaitement avec la politique des plus hautes autorités de la 7e République, avec à leur tête Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum, Président de la République, chef de l'État, qui accorde une place de choix au secteur de l'artisanat dans son programme de renaissance Acte 3, consolidé et avancé. Auparavant, dans son mot introductif, le président régional de la Chambre des métiers et d'artisans du Niger, Semani, El Hadjarou Issoufou, a remercié tous ceux qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette fête. Elle les a demandé de prier pour la paix et la quiétude sociale au Niger. Comme chaque année, à l'occasion de la commémoration de cet événement, une conférence est organisée afin de sensibiliser l'opinion nationale sur l'importance de la capitalisation de l'expérience dans l'exercice du métier.